Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool, Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos des nouveaux élixirs qui viennent de sortir mardi. Alors avant toute chose, je vous souhaite à tous un bon visionnage et c'est parti pour la vidéo, let's go! Donc voici les 4 nouveaux élixirs, vous les voyez à gauche, je les ai sélectionnés pour que vous les voyez plus clairement. Et je vais commencer par le premier élixir que je vais vous présenter, c'est le magnifique, le sublime Accro des atouts que tout le monde connaît, enfin surtout ceux qui ont joué à Black Ops 3. En fait, tout simplement, cet atout, je vous lis la description, dit: recevez tous les atouts qui font partie de votre équipement ainsi que les 6 atouts supplémentaires aléatoires. Ne se cumulent pas. Donc quand ils disent ne se cumulent pas, ça veut dire que si vous l'activez une deuxième fois, de toute façon ce n'est pas possible de l'activer une deuxième fois quand vous avez déjà 10 atouts, ben tout simplement vous ne pourrez pas le cumuler pour avoir les atouts, parce que je pense qu'on a plus ou moins 12 ou 14 atouts complets dans tous les atouts confondus sur Black Ops 4. Donc je pense qu'il y a 14 atouts mais on ne peut en avoir que 10. Donc vous aurez les 4 principales plus 6 en surplus quoi, tout simplement. De toute façon, juste après, je fais une game avec Minus le Grand. Et grosse dédicace à lui, bien sûr. Je mettrai sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et je fais une game pour vous présenter justement ses atouts in-game. Alors, le deuxième élixir est plutôt shopping gratuit. Donc, je vous lis la description. Tous les achats sont gratuits. Alors ça, c'est juste insane. Pour commencer une partie, t'as pas de thune, tu lances un secret, tu dois faire des points pour ouvrir les portes, t'équiper, prendre le couteau balistique, enfin le couteau chasseur, faire une boîte tic-tac. T'as la flemme de faire des points, tu veux que ça aille vite. Eh ben, ce putain d'élixir est juste incroyable, parce qu'il était déjà dans Black Ops 3, hein, mais pour faire des speedruns et pour faciliter les choses, tu l'actives, t'ouvres la map. Et t'es tranquille mon pote, t'es tranquille frérot. Donc ça c'est vraiment un des meilleurs élixirs avec Accro des atouts. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Parce qu'en fait ils ont vraiment pris blindé de Black Ops 3. Et ça c'est juste insane. Je ne sais pas s'il y a des fidèles. Logiquement il y a des fidèles. Et si vous vous rappelez, si vous vous rappelez bien, quand j'avais parlé de Black Ops 4 et que j'avais dit que les atouts, les meilleurs élixirs arriveraient en fin de Black Ops 4, eh ben, j'avais pas totalement faux, parce qu'ils sont arrivés en moitié de Black Ops 4, tu vois. Parce que moi, j'avais dit Accro des atouts, moi, je trouve ça trop stylé sur Black Ops 3. Et j'espère qu'ils vont reviendront sur Black Ops 4. Bien sûr, je veux bien que ça revienne pas dès le début, mais je suis sûr qu'ils vont le remettre à la fin. Et effectivement, ils le remettent à la moitié du jeu quand 2 DLC sont sortis. Il reste encore 2 DLC et boum, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les meilleurs élixirs et encore, on est à la moitié. Donc, qu'est-ce qu'on va y avoir par la suite? Et ça, franchement, merci Black Ops 4 d'avoir confirmé ce que je pensais, même si beaucoup de personnes disaient « Mais non, ils le mettront jamais, blablabla. » Je savais qu'ils allaient le remettre parce que c'est tellement insane. Enfin bref. Troisième élixir, et franchement, super cheaté aussi, c'est le retour de expérience de mort imminente, les mecs. Et ouais, il y avait celui-là sur Black Ops 3 aussi. Et ça, il est super cheaté, sauf, attendez, parce que... Il y a un petit changement, c'est tout simplement, je vais vous lire la description, activation immédiate, dure 10 minutes ou 5 réanimations. Et là, vous avez compris, le changement, c'est les 5 réanimations. Donc ça, c'est un petit peu un problème. Je ne sais plus si dans Black Ops 3, on s'auto-réanimait grâce à cet élixir, enfin le bubblegum, expérience de mort imminente. Je ne sais plus si on s'auto-réanimait, mais je ne suis pas sûr. Je pense que quelqu'un devait venir à côté de nous quand même pour nous réanimer. Enfin bref, je finis la fin de la description. Réanimer ou être réanimé et effectuer automatiquement à proximité des autres joueurs. Donc vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur carré, ça vous réanime automatiquement. Les joueurs réanimés conservent tous leurs atouts et leur équipement. Alors, ça dure 10 minutes. Je ne sais pas si ça durait aussi longtemps sur Black Ops 3. Je pense plus que ça durait 5 minutes sur Black Ops 3. Ou peut-être 15 minutes. Peut-être que ça a duré 15 minutes. Mais je sais pas pourquoi j'ai un souvenir d'un 5 dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, les grands fans pourront me le dire dans l'espace des commentaires. Je vous invite à me le dire en espace des commentaires. Alors, tout simplement, cet atout va vous réanimer avec vos atouts.
si vous tombez, vous appelez votre pote, vous dites, hey, viens un peu là, viens un peu de petites secondes là, viens me réanimer, boum, tourne autour de moi, il te réanime au KLM, tu récupères tes atouts et t'es au KLM. Le problème, c'est qu'il n'y a que 5 réanimations, c'est un petit problème, mais c'est une petite difficulté en plus pour pas rendre le jeu trop facile non plus. Donc ça c'est cool, moi franchement ça me hype de ouf ces 3 élixirs, je suis trop content qu'ils fassent leur grand retour sur Black Ops 4, merci Black Ops 4, grâce à ces bubblegum là, rien que grâce avec ces 3 bubblegum, je vais pouvoir faire les spéciales abo au KLM avec une facilité presque déconcertante je pense, donc franchement je suis très content, vous avez bien vu j'en ai blindé, donc je vais les utiliser rien que pour vous quand on sera en spécial abo et franchement... Ça va être historique, les mecs. Ça va être cool. Je suis déjà impatient. Alors, Man Céleste, le 4e élixir, franchement, qui est très bien aussi. Hein. Très bien. Sauf que je vais vous lire la description et vous allez me dire, ouais, mais c'est de la merde. Donc, attendez. Activation instantanée fait apparaître l'un des 9 bonus de base. Vous savez, je pense que sur Black Ops 3, il y avait le même problème de traduction, en fait. Call of Duty, Treyarch. Ils ont vraiment un problème dans leur traducteur, hein, qui m'engage, moi, ou un autre youtubeur anglais qui savent traduire l'anglais, parce que moi, je sais pas, on peut traduire l'anglais, donc ne me demande pas à moi, mais franchement, la traduction, c'est trop de la merde. Moi, je vais vous faire la traduction exacte, c'est fait apparaître les 9 bonus de base. Voilà, c'est ça, pas l'un des 9, c'est les 9 bonus de base. Donc, vous activez votre atout et vous avez les 9 bonus devant vous. Et en plus de ça, écoutez bien, parce qu'il y a une petite astuce sur Black Ops 3. Quand vous en avez blindé des Man Céleste sur Black Ops 3, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on activait tous nos Man Céleste. Et qu'est-ce qui se passait? Bon, après, sur Black Ops 3, on pouvait faire un rage kit et pas perdre nos élixirs, enfin nos gobblegum. Donc, c'est pour ça qu'on le faisait. Mais on activait tous nos Man Céleste et en fait, ça vous donne un atout aléatoire. Donc, à chaque fois, on pouvait farm les atouts. Donc, avoir un accro des atouts sans avoir le gobblegum, accro des atouts. On pourra toujours le faire sur Call of Duty Black Ops 4. Mais le problème, c'est que tu vas utiliser, je sais pas moi, 10 fois le Man Céleste pour avoir... non, 6 fois le Man Céleste pour avoir les 6 atouts supplémentaires. Mais le problème, c'est que quand tu vas quitter la partie, tu vas perdre tes 6 Man Céleste. Donc, il faudrait peut-être trouver une solution où Black Ops 4 mène-nous un petit glitch, un petit rage kit pour qu'on puisse récupérer nos élixirs, tu vois. Je sais pas, moi, tu vois. Ou alors qu'on en garde 10 minimum. Je sais pas, tu vois, trouver une solution, putain de merde. Moi, ça me casse les couilles. Après, j'en ai beaucoup. Enfin, beaucoup. Entre guillemets, ça part vite, hein. 20 Man Céleste, ça part très vite. Surtout si j'en utilise 6. Enfin, bref. Je parle, je suis tellement hypé, moi, Call of Duty Black Ops Zombie, j'espérais tellement qu'il buzz, et il a tellement fait un flop, que j'étais dégoûté. Alors ben, j'ai pas le choix, moi, il fallait que j'aille sur Fortnite, parce que le Fortnite, il était tellement en train de buzzer, je pouvais pas passer à côté de ça, et Fortnite était très bien, hein, en parlant de ça, il est très bien, moi je vous le conseille, bon, je sais, je parle de Fortnite dans une vidéo Call of Duty, oh là là, oh la honte, oh my god, enfin bref, non mais franchement, je suis un grand fan de zombies, et le zombie m'a vraiment déçu, je pensais même buzzer grâce à ce zombie, et en fait, le zombie a fait un gros flop, donc voilà, ben moi, j'ai dû changer d'horizon, quoi, tu vois, j'avais rien à faire sur le zombie, et puis c'était tellement pourri, parce que la difficulté était beaucoup trop, les jeunes, ils voulaient pas jouer, ben, parce que c'était trop difficile, moi, je pouvais pas forcément les aider, parce que je suis pas le meilleur joueur du monde, donc je pouvais pas faire des spéciales abos de ouf, et tous vous aider dans les secrets, parce qu'ils sont quand même compliqués, maintenant, avec ces élixirs, ça va peut-être rendre la tâche un peu plus facile, il faut penser aux youtubeurs et aux jeunes, faut pas penser aux gens qui veulent tryhard, les gens qui tryhard ils utilisent pas les élixirs et puis c'est tout les mecs, et puis c'est tout, rien ne vous oblige de les utiliser, hein. Moi je suis bien d'accord là dessus, moi si je veux être un PGM et que je veux devenir super fort, ben je n'utilise pas les bubblegum qui m'aident, mais moi pour aider les jeunes à réaliser les secrets et pour les entraides et tout ça et la facilité des plus jeunes, bah, je trouve que c'est très bien de mettre l'opportunité de mettre des élixirs assez cheatés pour qu'on puisse y arriver. Enfin bref, donc maintenant nous allons passer dans le gameplay parce que je suis resté dans le menu, vous allez me dire « Oh là là, sois cool !» Je ne sais pas, peut-être que je vais passer dans le gameplay ou peut-être que je vais faire un petit montage. Ouais, je crois que je vais faire un petit montage comme ça que quand je parle, vous voyez exactement ce qui se passe dans le gameplay. Je pense que je vais faire ça et voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Ah non. Il faut absolument que je parle du gameplay. C'est très important parce que j'ai remarqué quelques trucs. Donc, on va directement passer dans le gameplay. Et c'est parti pour la vidéo. Let's go. Je suis désolé que la vidéo est là un peu longue. Mais
Le zombie mangeaille ces temps-ci, le zombie mangeaille ces temps-ci, alors voilà, je suis désolé les potos. Allez, c'est parti, let's go. Donc, nous voici dans le gameplay, mais avant toute chose, je répète que Minus le Grand, oui, le petit Minus, mais le grand Minus, est venu m'aider pour réaliser cette vidéo. Alors, une grosse dédicace à toi, poto, merci de m'avoir aidé pour cette vidéo, et je mettrai sa chaîne en description. Merci à tous ceux qui auront check sa chaîne, et encore plus merci à ceux qui s'abonneront et qui mettront un petit commentaire dans une de ces vidéos, hashtag SCM, ou hashtag je viens de la part de soi cool. Voilà, tu vois, ça fait toujours plaisir, ça lui fera extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui le font. Alors, première chose que je fais d'entrée, c'est que j'active mon accro des atouts et vous allez voir que ça va me donner 10 atouts. Comme vous le voyez, c'est juste insane. Cependant, si vous allez mourir, si par exemple vous mourrez là maintenant tout de suite et que vous avez expérience de mort imminente et que la personne qui est Minus le Grand vient vous réanimer ou une autre personne vient vous réanimer, vous perdrez quand même les 6 atouts supplémentaires. Ce qui est un petit peu dommage, parce que les élixirs sont très difficiles à avoir et on les perd très facilement, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, Black Ops 4 a mis quand même une petite touche de difficulté pour les gens qui tryhardent et les gens qui râlaient que Black Ops 3 était un peu trop facile. Donc voilà, c'était une information quand même très importante que je voulais vous dire. Donc voilà, c'est dit. Maintenant, nous allons passer au deuxième élixir qui est shopping gratuit. Alors dans le gameplay, j'ouvre toutes les portes, enfin j'essaie d'ouvrir toutes les portes, sauf qu'à un moment je me trompe de chemin, mais bon, c'est pas très grave. Mais vous pouvez vraiment acheter toutes les portes pendant je sais plus combien de temps, je crois que ça dure une minute, voilà exactement, pendant une minute vous pouvez ouvrir toutes les portes de la map, bien sûr en une minute, hein, donc du possible, mais en même temps vous pouvez choper une arme ou deux, prendre un atout ou deux, enfin voilà, tu vois, prendre une arme, faire une petite boîte, franchement prenez tout ce que vous pouvez, le plus possible en une minute. Voilà, ça c'est c'est une course contre la montre. C'est comme si on vous disait, allez dans un magasin et pendant une minute, vous achetez tout ce que vous pouvez. Voilà, ça, c'est à vous de faire une très très grosse course. Donc voilà. Alors le prochain élixir que je teste, c'est tout simplement Manne Céleste. Alors Manne Céleste, ça vous prouve bien que les 9 bonus, excusez-moi, apparaissent sur la map. Et vous avez bien vu que le bonus du milieu, c'est logiquement un atout supplémentaire. Mais comme j'avais déjà mes 10 atouts, on ne peut pas en avoir 11. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé, tu vois. Genre, t'as accroché des atouts, tu mets 4 Manne Céleste ou 2 Manne Céleste, parce que je sais plus combien au total il y a d'atouts dans le jeu. Mais tu mets 2 ou 4 Manne Céleste et t'as tous les atouts du jeu. Ça aurait été bien quand même, mais non. Black Ops 4, il a dit non. Non, vous n'aurez pas de cette solution-là. Voilà, tout simplement. Et le dernier atout que j'utilise, c'est expérience de mort imminente. Voilà. Alors, expérience de mort imminente, c'est très simple. Le Minus qui est avec moi se fait tuer. Je le réanime sans toucher la manette, juste en étant plus ou moins à 1 mètre de lui. Quoi. 1, voire 2, voire 3 mètres, je ne sais pas trop les mettre dans le jeu, mais voilà, je ne suis pas très loin et j'arrive à le réanimer. Après, j'essaye de me suicider, mais j'avais oublié que j'avais mon atout. Alors, j'essaye de me suicider et regardez, je vais de l'autre côté du piège et là, il arrive à me réanimer en étant de l'autre côté du piège. Donc voilà, sans me toucher, insane. Et regardez, là, c'est à ce moment-là que je récupère que 4 atouts à la place de 10. Parce que j'ai perdu mon accro des atouts. Voilà, tout simplement. Alors, une autre chose à savoir, qui est très importante, c'est que si vous utilisez un atout, parce que expérience de mort imminente, il dure 10 minutes. Si vous utilisez un autre élixir pendant les 10 minutes, ça annule l'élixir de 10 minutes. Ça annule les 10 minutes et vous perdez votre expérience de mort imminente. Donc, c'est un truc très, très important à savoir. Enfin, bref, voilà qui termine cette vidéo, cette super longue vidéo. Je suis désolé, je me suis un peu trop enjaillé. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire, mon frère. Tu mets un gros like, tu partages, tu commentes, parce que tous les lundis, je fais un tirage au sort avec un gagnant tiré au sort dans tous les commentaires de la semaine. Donc, si ça tombe sur toi, tu pourras peut-être gagner 10€. Alors, n'hésite pas à commenter toutes mes vidéos de toutes les semaines. Et plus tu commentes, plus tu as des chances. Donc, voilà, franchement, je te conseille de lâcher le petit commentaire qui fait plaisir. Après, tu fais ce que tu veux, frère. Moi, voilà, tu vois, j'ai une petite... Tu vois, donnant. Tu me donnes un commentaire, moi, je peux te faire gagner 10€. Ah, c'est facile, toi. Genre, je fais 15 vidéos par semaine, tu mets 15 commentaires, ça te prend 15 minutes, allez, au grand max.
et tu gagnes 10€. Franchement, c'est bien payé, quoi. C'est mieux que 10€ de l'heure, t'as vu ça ou quoi? Enfin bref, n'oubliez pas de t'abonner, hein. Si t'es pas abonné, bien sûr, abonne-toi et profite de tout ce que je peux t'offrir sur la chaîne. Et franchement, n'oubliez pas de partager pour qu'on puisse atteindre les 100 000 abonnés, les mecs. Si on atteint les 100 000 abonnés, vous le savez, pour les plus fidèles, je vais mettre un putain de giveaway de 1 000€ où je vais vous faire gagner 1 000€, les mecs. Donc, peut-être 10€ par là, 50€ à lui, 60€ à lui, 20€ à lui. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à bombarder la barre, le petit bouton partage sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux que vous êtes, et partagez ma chaîne YouTube un maximum, les potos. Ça me ferait trop plaisir qu'on atteigne les 100 000 abonnés avant la fin de cette année. Est-ce que ce serait possible? Je ne sais pas. Je l'espère. Bien sûr, tous les jours, je l'espère. Même demain, si ce soir on atteint les 100 000 abonnés, mon gars, je me montre à poil à la cam. Non, je déconne, mais enfin, je flouterai un petit peu les choses, tu vois. Mais bah, quoique, ça va être dur à flouter parce que c'est quand même long, large, grand, tu vois. Non, je déconne. Bon, allez, les potos, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace out.